J'enclenche. Si, il y a assez de youtubeurs ici pour faire des intros sans m'appliquer directement. Tu aimes jouer, j'aime parler. Vas-y, fais-le pour une fois, allez. Sois gentil. Et je sais même pas quel épisode on est. 7, 7, 7. Épisode 7. Et c'est quoi, on est lundi. C'est quoi le let's play? Accélération max, voyons. Allez, go. C'est tout. Et bien, écoutez. Allez, bonjour à tous. Et bienvenue sur Fédération Max. On est à l'épisode 7. Salut les gars. Et salut le corbeau. Bonjour à tous. Bonjour le corbeau. Kin, Slan. Le septième fils du septième père du septième gardien, c'est Féa. On l'a retrouvé. On est parti. Allez. Bon, au lieu de faire nos marchés de je prends qui comme associé. On a du mal. C'est la guerre diplomatique. Ça change complètement le gameplay. Hein. C'est pas mal. Oui. Finalement, vois, au début. C'est très bien. Parce qu'en fait, on passe notre temps à essayer de faire des petits coups en douce. C'est vrai qu'on s'est vraiment posé la question, 20€, 22€ pour ça, qu'est-ce que ça apporte? Et finalement, oui. Ouais, attention, ne confondons pas tout ce qui est gratuit et tout ce qui est dans le DLC. Voilà, alors qu'est-ce qui est gratuit? Ils l'ont. J'en sais rien, du coup, j'ai du mal à juger. On attend les retours. La communauté galactique est gratuite, mais le Sénat est payant, d'après ce que je crois. D'accord. Non, pas le Sénat, pardon. La Fédération. La fédération est payante. D'accord. Ah. La communauté, ils l'ont pompée à Civilization 6, vous en avez, ça c'est beau. Vous en avez une de base, hein, la fédération. Celle que vous avez choisie, la gratuite, vous. Ça ne m'étonne pas. Les pauvres, ils ont choisi. C'est les pauvres, ils ont choisi la gratuite. Non, mais en fait, c'était ça ou Ligue Commerciale. Et moi, ne faisant pas de commerce. C'est marrant. T'es passé juste devant moi, Kin, j'ai vu le basculement en économie, en fédéral. Par contre, oui, je voulais juste faire une remarque. Deux inspirations pour la communauté. Donc, le pompage de loi sur Civ 6, ça vient à fond de là. Par contre, la petite image du Sénat de Star Wars, bien pensée. Franchement. Oula. Un classique aussi. Oui. Essentiel est troisième au score. Et la matrice, quatrième. Ouh. Ouais, on fait ce qu'on peut. Voilà, les gars. Et du coup, c'est qui premier et deuxième? Les empires. C'est les empires déchus, bien sûr. Toujours. Ouais, on est. L'archive est derrière vous, les gars. Hein, juste derrière vous. Oui, non, mais Archive est en général très bon. En fait, de toute façon, moi j'en ai trois dans les quatre premiers. Point barre. Et je vous préviens que si vous m'éliminez, je reprends Archive et ça va mal se passer. Ah! Il Ou alors ça va très bien se passer, on défoncera. Mais non, il est sympa, Archive. On le garde. Je veux dire quand même que Slan a passé 3 semaines à optimiser ses races. C'est faux. J'ai passé au moins un mois et demi. Oh non, je me suis entraîné plus de 500 heures. Moi qui pensais que t'avais passé que 3 semaines, entre guillemets. Alors, non, il vient de se passer un truc énorme. J'ai basculé en extension d'Empire 102 sur 142. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, bravo. Voilà, donc tout. Allez, niveau 2 pour notre fédé. Parfait. Du fric et des émissaires. Oh, on n'y est pas encore, nous. Attends, ça monte. On gagne de l'expérience comment? Bien, je valide avec valeur commerciale de l'Empire plus 10% en plus de la fédé. J'ai deux émissaires, donc t'as vu la Ligue? La Ligue veut devenir notre associé, je lui dis oui. Ils sont quoi? Est-ce qu'on passe en centralisation basse? Ils sont xénophobes, est-ce que c'est embêtant? Ouais. Non, pour un associé, c'est pas embêtant. Ça va baisser notre cohésion, mais je pense qu'on peut tenir. Je pense pas que ça soit vraiment embêtant. On va voir, on apprend à jouer, justement. Bien sûr, on verra. Xenoflous, pourquoi t'es à moins 1? T'as pas mis d'émissaire, c'est ça? Moi, j'ai pas mis d'émissaire, mais j'en ai... c'est la centralisation qui vient de nous enlever un. Il faut rajouter un émissaire. Ouais. Mais c'est bon, c'est pas grave, j'en ai un de plus maintenant. Ouais, parce que t'es le président. D'accord. Parce que moi, je l'ai pas eu, le nouvel émissaire. Bon, bah, on monte tout ça, hein. Bon, bah, c'est nickel. Les escargots de l'espace, comment ça se passe? Cordial, je suis dernier rang, cool. De toute façon, je suis en train de faire une ambassade, un de ces quatre, pour... justement. Moins 33. Ah non, j'ai pas l'argent pour l'ambassade.
En même temps, les escargots, j'ai du mal parce que je suis trop distant. Il faudra déjà que on prenne Archive et Zelvania en priorité. Moi, je vois pas comment faire monter. La recherche pour les destroyer, ça c'est bien. Ah oui, d'ailleurs, le marteau de Grou est comment? 1300 de puissance, c'est tout. Bon, par contre, les amis, il me faut absolument réduire mes biens de... mes besoins de service. Donc on va partir là-dedans. Oula, impact d'astéroïde. Aïe, aïe, aïe. Propulseur ionique, enclenché. Le rayon du vide, alors oui. Où est-ce que c'est ça? Research complete. Ça doit être un vaisseau de construction qu'il faut. Non, c'est quoi? Pof. Ok, faut juste plus enquêter comme plus ça. De DPS. Bon. Tout va bien pour vous? Oh oui. Plus ou moins. Oh oui. Oh oui. Ça va, ça va. Je vais débloquer les gaz, hein, ce qui va me permettre de faire enfin un truc scientifique. Et là, ça va piquer. Ça va. Pourquoi ? En cours de construction ? Mince ! Bon, on va attendre de revenir dessus. Une techno, plus d'énergie ou laser bleu ou... Oh, tu m'embêtes. Tombe. Taille. On bascule. Bon, ça évolue du côté de nos primitifs là. Oui. Hein, ça... Dans le bon sens. Oui. Oui. Oui, on va dire ça. Pas grave. Moins 21 en énergie, bah oui, évidemment. De toute façon, ils sont à l'âge de la vapeur. Hein. S'ils me posent le moindre problème, je les atomise. Pourquoi t'attends? Mais pourquoi t'attends? Puis tu me les vends. Non. On peut pas encore. Oui, je sais, mais il me les vendra plus tard. Il a qu'à les faire se reproduire. En attendant, il m'en vendra plus. Non. Ah, d'ailleurs, il y a des propositions au Sénat là, qui demandent peut-être attention. Ouais. Excusez-moi, je vais faire une petite pause, mais il y a vraiment beaucoup de choses dans ce truc à regarder. Alors, priorité. Standardisation, et... c'est quoi ça? Oh, c'est bon ça! Entretien des bureaucrates un peu plus chers, de... s'en fiche. Voilà, je viens de passer en partisan pour le recyclage, c'est vrai que c'est vachement bien. Bien de consommation, je suis preneur aussi. Qui s'abstient? La Ligue? Ah tiens. L'impérial de la résolution. C'est marrant que le flouz est contre ça. Le moins 5% bien de consommation, c'est quand même top. Oui, mais moins 20% en poids politique. Ouais, c'est parce que vous êtes plus gros en science et tout. Quoi? Ça va passer quand même, ce cochonnerie? Non, ouais. Non, il passe pas. Attends. Si, attends, il passe. Bah, si, mais passe, oui, j'ai appuyé. Si, il passe. J'ai basculé. Bien sûr qu'il passe. Bravo, Kin. Bah oui. C'est n'importe quoi. Ah, c'est vous. Passer. On voit et les après, gros, hein, ils sont c'est scandaleux. J'adore. Ah, le marché galactique. Pourquoi est-ce que en même temps, moins 20%, mais pendant ce temps-là, on augmentait nous-mêmes notre, j'ai relancé, notre vote. Alors, le marché galactique n'est pas encore voté, donc il faudra le faire pour avoir dans sur une planète, c'est ça? Moi, je l'ai appuyé, mais comme j'appuie aussi la priorité... Ouais, on appuie pour que une loi passe plus vite que les autres, c'est ça, ok. Ouais, bah, je vais cesser de soutenir la standardisation des xénologismes hein, pour l'instant. Ça va tout changer, attention. Est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit. Tu rigoles. Si, ça suffit. Grâce à moi, c'est le marché qui sera le prochain à être voté. De justesse, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il continue à descendre. Au fur et à mesure que mon poids politique continue à augmenter. Ships upgraded. Vaisseau upgrade. Construction complete. Le marché galactique, moi, je suis pas encore tout à fait pour. Hein, on va attendre un peu. Par contre, c'est pas le marché galactique, là. C'est l'initiative au recyclage point galactique. Et si tu veux pas avoir un gros problème, tu devrais voter contre cette motion totalement écologique. Mais tu sais, genre, les planètes sont des sanctuaires. Il faut. Ouais. Alors, je voudrais dire quand même que ma cinquième planète. Quel traître. Cours de colonisation. Je vais monter à 5 planètes, les copains. Qu'est-ce qui se passe? Résolution, votez.
Allez, et c'est le marché qui va passer tout de suite après parce que je viens de refaire basculer la facilité régulatoire qui était passée devant. Les sentinelles l'ont fait. Il se passe quelque chose avec l'équipe archéologique de Shark Rouge. Super. Oh là là. Moins 20. Tu vois n'importe quoi. Je lis pas tout, hein. Vous ferez pause évidemment. Vous regarderez qui est Nisla. Ah, mon Dieu. Je peux plus lutter contre le marché galactique. Ah. Les esclaves. Il y a un temps de pause. Naissance, oui, d'accord. Oula, les gars, encore besoin de stabilité. Féa, t'as des esclaves, t'as des litoïdes, t'as des choses comme ça, non? Malheureusement, j'ai pas de litoïdes. Oh, moi, j'ai des litoïdes, mais alors, le temps que je les envahisse, il va me falloir du temps. J'ai plus rien à faire, là? En science, non, c'est pas possible. Poste de sentinelle, ouais, non. On va peut-être pas en arriver là quand même. Hein. J'ai tellement d'influence pour l'instant. Ouais, Féa, économise ton influence si tu veux le, non. Le capital. La capitale du marché galactique. Pourquoi j'ai pas d'influence? Ah, pas la capitale, ouais. Ah, si tu veux proposer ta candidature. Ah, ouais. Il manque de nourriture, ça y est, sur le vaisseau qui est écrasé. Et j'ai moins de commerce que toi, donc je pense que je vais pas pouvoir l'avoir. Ça n'a rien à voir. Bon. C'est pas lié aux influences économiques. Non, pas du tout. C'est le nombre de fois où tu soutiens, sachant que même si tu ne te proposes pas, eh ben, t'as quand même une chance infime de l'avoir. T'as un tout petit point qui t'est donné dans la pondération. Donc tu peux soutenir toi 3 fois, un autre 3 fois, et au final ça reste sur un mec qui t'est même pas proposé. Mais évidemment c'est du genre 1%, quoi. C'est une pondération, nombre de fois où tu soutiens, en fait. Ah, encore un dysfonctionnement d'un plan, c'est incroyable ça. Voilà, c'est où? On va débloquer un peu les planètes. Encore? C'est toujours au même endroit. M'embête le. Voilà, et on bosse un peu. On défriche les jungles. Ouais, moi aussi, je suis un peu de défrichage. Bon, puis faut attendre que ça se multiplie. Et c'est vrai que les robots, pour l'instant, c'est pas ça. Disparition de Grey Weed, pourquoi dans les sentinelles? Mince. C'est tout de même troublant, hein. Non, mais... Le statut d'associé pour la Ligue Zévanie, on l'avait pas déjà demandé? C'est possible. Attends, il nous le demande. Allez, oui, je comprends pas ça, les contacts. Pourquoi on ne voit pas les associés? Accord commercial, ressources. Tiens, ah si, on a l'icône peu. Associée, d'accord. Fédération avec nous, donc on a l'archive associée, la famille associée. On en a que 2? Oui. La Ligue, tu ne dois pas l'accepter, il y a un problème, c'est quoi le truc? Je n'y arrive pas, moi, je peux pas. Ah oui, donc ça passe pas. Ah oui. Attends, je reviens vers eux, hein, je vais voir. Parce que j'ai pas de relation positive avec eux, peut-être, je sais pas. Oh, c'est dur. D'ailleurs, ils viennent de me fermer leurs frontières. Non, mais c'est la Ligue, c'est pas la Triade. Ah, oh, putain. Oui. La Ligue... Archive est à moins 10. Ah, ça c'est bien. Oh là 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 là. Ça craint tout ça. Non, on peut pas. Un scientifique a un nouveau trait. Un trait psionique. Super. Ça m'aide vachement. j'ai pris un peu plus de puissance militaire. Il y en a qui apprécient, hein. Ouais. Ah, toujours moins 33, voilà. Il est trop loin. En fait, il faut que Archive tombe. Ah, mais je sais pourquoi. Mais Archive est loin de toi et t'arrives à l'influencer, c'est pas mal. Hein. Oui. Ils sont ils m'aiment. Par contre, ce qui est intéressant. Je suis plus fort que tous ceux-là en techno, d'accord. Au niveau militaire, franchement. Oula, l'Imperium est écrasant au niveau militaire. Ah bah ça, hein. Comment tu le sens par rapport à la Triade? Ah, ils sont supérieurs à moi. La Triade? Mais oui, mais si on les attaque chacun sur le... Il faudra préparer une armée d'assaut.
Ouais, alors ça, par contre, effectivement, il faut préparer une armée d'assaut. Minerai... Oh, ça me coûte 30 par mois d'énergie, là. Ah, j'ai encore des problèmes de service. C'est incroyable, tout ce que ça mange en service. Ah oui, les consciences collectives, ils sont... Ah là là, c'est mal, bien, c'est pour ça que tu prends le moins 15 ou moins 20, je ne sais plus. Oui, bah, je l'ai pris, mais même ça, pff, c'est quand même chaud à gérer. Ouais, bah c'est pas magique, quoi. Ah, je peux faire une guerre idéologique avec la triade, simplement. C'est tout ce que je peux faire. Oui. Super. Donc, en gros, soit tu le forces à changer de religion, soit de religion, d'éthique, soit tu vas libérer un vassal. Ouais. Non, pas un vassal, justement. Tu vas libérer un nouveau pays de ton idéologie. Research complete. Non, l'idéal, c'est qu'il faudrait que tu t'attaques. Mais la seule façon qu'il t'attaque, c'est que vous soyez pas en fédération. Faut rompre cette fédération. Quoi, on peut essayer. Disons que si moi je lance la guerre, TK peut la rejoindre puisque c'est la fédération. Oui, mais ne voilà, pourra pas faire de revendique. Ça sera à toi de payer l'influence pour donner les planètes ensuite à TK. T'as vu ce qui s'est passé avec l'Imperium, TK? Regarde au sud. Il y a la triade qui a pris un système, mais totalement au milieu de l'Imperium. Oui. Parce qu'en puissance militaire, on est équivalent, tu vois, donc je suis pas inquiet avec l'Imperium. Ouais, le problème, c'est que tu risques d'avoir... Si tu peux pas leur prendre de territoire, ça... Non, mais toi, tu peux les prendre, c'est à toi de payer l'influence. Voilà, c'est tout. Et après, tu me redonneras les territoires que je veux. On prend une décision, je perds moins 27 d'énergie, mais on peut faire une guerre. Je vais commencer à faire des armées. Allez. Oh, je perds de la nourriture. On va être fou. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Tac. Pas grave, je dois avoir un monde agricole. Ouais, voilà, j'ai un monde agricole. Comment s'appelle la capitale de ton empire Ligue Xavienne? La Ligue Xavienne, sa capitale, bah c'est Scylla. C'est celle qui est dorée. C'est celle qui a des petits plots dorés, ouais. Alors moi aussi j'ai un chat, tout comme TK, et en fait il est à côté de moi, il est en train de ronfler comme jamais. Tu vois, c'est un chat heureux, ça. C'est un chat heureux. Une vieille mémère. Ah, ça lui fait quel âge? Ah là, elle va avoir 11 ans, je crois. Ouais, 11 ans. L'aîné des miens, il a 12, je crois. Il s'appelle Caramel. Oh, ils peuvent plus copuler, c'est fini. Non, mais on parle de chat de l'espace ou de... on parle de chat... Ouais, mais je crois que Slime aime les chiens, donc tu vois. Pas du tout, tu rigoles, j'ai deux chats chez moi. Ah ouais, bah ça va. Clark et Kaline. Alors Clark, à sa naissance, s'appelait Clara. C'est une simple erreur de jugement. Mmh. Et comme il avait appris à... Comme il répondait, il venait quand je l'appelais Clara. Bah, j'ai pas voulu trop changer de nom. Après, quand on s'est rendu compte de notre erreur. Alors j'ai une nouvelle intéressante, mon générateur d'archéologie ne marche plus. Ça c'est bien ça. Ah, alors ça donc il y aurait une limite à l'origine du coup? Non mais il se renouvelle pas instantanément. Bah il a marché non-stop jusqu'à maintenant, hein. J'y allais à fond. Bah attends, voilà. C'est quoi cette histoire? J'ai un portail dimensionnel. Oh. Oui mais c'est pas un portail genre portail, c'est bizarre. C'est pas un portail genre sur portail. C'est sur la surface d'une planète. Ah oui, c'est pour faire du commerce avec ton autre toi-même. Mais non. Du commerce. Je sais pas ce que c'est que le commerce. Je sais, c'est pourtant ça. Mais c'est nul. Alors, ça dépend. Changement de moi, on va voir l'équilibrage. Côté troupes, il va me falloir un général. Et à fond dans la guerre, hein. Qu'est-ce qu'ils sont militaristes tous ces gens? Session du Sénat. Session du Sénat encore. Le marché galactique. Allez! Non, voilà. J'ai dit non. Je suis le seul à dire non. Mon général va s'appeler, attention, c'est très compliqué. Je suis pas le seul à dire non. Essentiel qui veut pas le marché galactique. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Donc dites bonjour à mon général Grou, qui s'appelle pourquoi John tu votes contre, James Preston. Hein ouais, pour des problèmes d'intérêt. Voilà.
Mon cher abonné Mathieu Souzy, je ne t'ai pas oublié. Fais-toi plaisir. C'est affreux, tu sais qu'on pourra pas le reproposer avant un moment. Ah mais c'est la Tianqi Space Walk qui est dans mon système. Ne t'en fais pas. C'est pour ça avoir un bonus avec quelqu'un qui a voté contre. C'est ça. Mais tu verras. Mais pourquoi ils y vont pas? On peut pas convaincre les autres d'y aller avec des faveurs. Tu peux utiliser des faveurs. Tiens, moi j'ai des faveurs. Oui, justement, tiens. On a des faveurs comme ça. Oui, ça reprend Civilization 6. Calectora, il me doit plein de faveurs. Faveur contre. Non, il n'y a pas de décision. Non, on n'a pas de décision en négociation. On peut pas demander. Tac. Mais ça, le problème, c'est que ça coûte très cher en influence de les utiliser pour gagner 64 points. Ouais, mais ils vont pas faire ce qu'on leur demande là. Je vois pas trop comment ça marche. Qu'est-ce que je vais leur donner? Les faveurs, ils ne veulent pas le marché galactique, ça c'est triste, ça va me bloquer beaucoup, très longtemps. C'est étrange. C'est vraiment un coup dur. Ah bon, ça marche plus, je peux plus leur donner de minéraux. Bon, ok. Ah, les minéraux, t'arrives à obtenir de l'amélioration en donnant des minéraux. Established. Ah bah bravo. Pourquoi moi je peux pas faire fort? Xénophobe, on s'en moque. Les archivistes, okay. Du coup, ça devient quoi? Alors, les archivistes, ça devient quoi? Ouais, c'est vrai. Putain, ça. Il m'a volé la planète, je le crois même pas. Ah, je suis à moins 7. On y est presque, hein, ça monte encore. Tout seul. Grâce aux diplomates qui font un travail magnifique, il faut bien le rappeler. Je me suis fait voler une planète par Nelson. M'étonne pas. Méchant. Il est bien. Il est bien. Je suis très content que mon chat interagisse dans un let's play, honnêtement. Ouh, ça va piquer. La flotte est à sa puissance maximale. Comment c'est possible? Research. Ah, c'est possible que tu es très fort. Nouvelle techno. Oui, les redoutes stellaires. Enfin. Ah, j'ai ma file d'attente de construction de vaisseau qui est buggée. Oh oui, ça va être bon ça. Ah, je peux pas augmenter ma puissance militaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait l'office avec son vaisseau de construction là? Il a bu ou quoi? D'accord. Ok. Le Chazarak qui vient de me proposer 20% de recherche. Non, c'est pas le Chazarak, c'est le. Je sais pas qui. L'Empire des Chus, 70 mois. Ça va être long ça. J'ai l'impression qu'un Empire déchu vient de me proposer des. Effectivement, c'est la race antique. Oui, c'est le. D'accord. C'est les isolationnistes qui ont dû te proposer ça. Ouais, ça doit être ça. Bah, t'as de la chance. Bon. J'ai accepté. Bah oui. Capitale planétaire, ça va être long. Par contre, il y a quoi là-bas? Il y a 1700 de puissance ennemie. Bon, je vais peut-être faire quelques armées moi aussi. Ah non, je vais pas faire des armées parce que j'ai un problème de stabilité. Ça y est. Vous avez besoin de services? Pas de problème, on va vous en donner, les gars. 1700 et je suis servi toujours des services. Hein. Ah oui, bah oui, oui. Eh bien. Ça a été coûteux. Ouais. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup. Voilà. Taya, tu l'as? Ouais, le premier habitat à faire. Ah, c'est mon destroyer. Excellent. Enfin terminé, quoi. Bon. Par contre, j'ai pas encore assez d'alliage pour le suivant, mais j'ai pas l'influence non plus, donc. Nœud de la conscience. D'accord. Bien. Influence mensuelle plus 1. Oh, bien ça. Youpi. Ouais. S'abstenir, on va garder l'influence. Allez. Et les sous-goûts et les groupettes, on va les améliorer dès que c'est notre. Mais fais gaffe à ta flotte. Hein. Je peux pas la monter plus. Allez, la redoute. Vitesse exploration, ok. Et oui, je suis déjà au max hein, avec ma flotte, c'est incroyable. Les coûts de science, on les avait augmentés ou. Les coûts de science, non, ils sont à 1. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, allez, on n'a pas le choix. Ça pourra faire du commerce. On est parti dessus. Et du coup, en science, c'est un peu la dèche. Pourquoi?
Il faut que j'aille essayer de récupérer ce monde-là et le trou noir. Ah bah oui. Il va falloir que je commence à collecter le commerce bientôt. Ah, mais c'est ça qu'il est en train de faire, le Xeno. Espèce de gros vilain. C'est moche, ça. On va emmener un vaisseau scientifique, du coup, au trou noir de la station de Tomari. On va se préparer. Le vide absolu. Ok. Rayon du vide absolu. J'aime. Et du coup, Nelsonia est colonisée. Super. Colonisé. Excellent. Bon bah moi ça c'est cool là. Quoi, qu'est-ce qu'il me fait encore? Mais les décisions... SMS. Il veut que je refile des sous. Je vais pas lui filer des sous là. C'est... Il y en a marre. Il y en a un peu marre. Ok, on est à moins 8 avec le Nelsonien. Renforcer la flotte à cause du bug. Je pense que la raison pour laquelle ils veulent pas nous rejoindre, c'est aussi le type de la ligue. On n'a pas de bonus et moi j'arrive pas du tout à des scores pareils. J'ai le même bug que toi, Féa. Je ne peux pas renforcer ma flotte. Ça, il faut revenir sur le menu du jeu pour que ça fait des bugs. Ouais, mais ça va le faire en fait. Avec la technologie du destroyer, je vais augmenter ma capacité navale et ça devrait passer. Oui. Après, donc, du coup, j'envoie un émissaire sur la ligue. On va espérer. Bon, le Nelson, là, il va virer de chez moi parce qu'avec son vaisseau. Si tu veux débugger ta flotte, en fait, tu peux le faire via le menu. T'as un bouton tout renforcé, tu sais, via le gestionnaire de flotte. Ouais. Ça fonctionne. Même si tu peux pas le faire avec le bouton raccourci sur une game. Le menu renforcer la flotte. C'est quoi le souci, Kin? En fait, j'arrive pas à renforcer ma flotte. Il me dit qu'elle est à ça. Parce que j'ai, si tu veux, dans la file d'attente de construction, j'ai des trucs qui sont à moins 1 qui sont bloqués. Des vaisseaux. Ah oui, mais ça, c'est vraiment parce que c'est son amiral qui était en limite de commandement. Donc, comme te disait Féa, tu sectionnes ta flotte militaire, là. Plop, dans ta barre à droite. Et donc, tu as ton amiral avec toute la liste de vaisseaux en dessous. Ok. Oui. Et ton gestionnaire, il est au-dessus des icônes, tu sais, attaquer la cible, bombardement orbital. Ça, je pense. Tu cliques dessus. Et tu vois, au-dessus de ta liste de vaisseaux, tu as la limite de commandement. Est-ce qu'elle est au max? Non. Elle n'est pas 18 au max. Sur 20. 18 sur 20, donc normalement tu peux encore faire deux corvettes au moins. Ouais, mais non, ça fonctionne pas parce qu'elles sont en file d'attente à moins 1. Mais c'est pas grave, je vais débloquer ça après. À moins 1, et sur ton châtier spatial, qu'est-ce qui se passe du coup? Ben rien du tout. Mais c'est pas grave, attends, j'ai un petit souci plus urgent à gérer. Ah ouais, vas-y, vas-y. Ouais, c'est un astéroïde qui va se cracher sur une planète. Oh bah t'as le temps, hein. Ah, stop, pause. Slana a été déconnecté. Je ne sais pas combien de temps on est, mais on fait une micro-ellipse. A tout de suite. Et on se retrouve, désolé pour l'ellipse encore une fois, mais on continue notre avancée fédérale. Ça va les gars? Ça va très bien. Ça va super. C'est peut-être pas sympa que je fasse toujours la transition de l'ellipse, hein, vous me dites. Hein. Non, si, c'est bien, c'est bien. Moi, ça me va. C'est super. On est bientôt... Ah oui, t'as raison. C'est bien, Kin. C'est cool. Ah ouais, il manque 20. J'ai raison. Ouais, complètement. T'as toujours raison de toute façon. Jusqu'à maintenant, oui, parce que le Timids se réveille. Là, tu vois, ça y va à fond. Ah ah. Il n'y a aucune raison d'être timide là-dedans. On se marre bien. Du coup, je suis au max avec la famille. Je perds. Qui c'est qui attaque la famille là? Voilà, donc. D'accord. Ah oui, non, il n'y a pas besoin d'avoir d'excellentes relations, pardon. Ah, j'ai perdu un. Raison. Qui c'est? C'est Slan, je suis sûr. De quoi? Ah, mais oui, on est encore en pause. On peut remettre les gars? Ah oui, c'est peut-être ça. Bah pourquoi vous avez pas lancé la partie? C'est... Ah, pardon. Personne n'a mis en pause, hein. Vas-y, Kin. Ça marche. Allez, c'est parti. Non, mais je perds de l'influence sur la famille. C'est qui osait? Il y a une elfette qui veut montrer ses oreilles. Est-ce que j'accepte? C'est à toi de voir. Est-ce que tu veux des loisirs? Vendu. fais-toi plaisir. Honnêtement, fais-toi plaisir. Ouais. Bon, allez. En off, pendant l'ellipse, on parlait beaucoup que c'est plus le civisme qui compte maintenant et que c'est vrai que vous, ligue commerciale, c'est un peu plus compliqué quand même dans la game là. Ouais, mais principalement, allez. Effectivement, ouais, c'est le c'est... niveau fédéral. Oui. Yes. Niveau 2. Alors. Oh. On peut échanger des officiers, c'est vrai ça? De quoi?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, tu regardes Fédération, tu as un niveau de échange d'officiers, les copains. Échange d'officiers, contribution des membres à la capacité navale fédérale, plus 25%. Ça fait un pool commun? Non, attends. J'en regarde vite fait ici. Non, en amiral, j'en ai un, mais j'ai pas le tien. Ah, pénalité de cohésion à l'entrée de nouveaux membres dans la fédération, moins 50%. C'est maintenant qu'il faut... C'est le moment. Oui. Émissaire disponible, plus un pour moi. Non, c'est moi le président ou c'est toi? Attends. Qui est président tout de suite? C'est moi. Alors, Slan, je voudrais bien tes lumières, Oufea. Oui. Ce niveau 2 où on a soi-disant des échanges d'officiers, vous le comprenez comment? On connaît pas, nous. Ah, pas chez vous. On n'a pas le même choix. Nous, on fait de la valeur commerciale, nous. Non, en fait, c'est la capacité navale fédérale plus 25%, et c'est ça. Et après, de la valeur commerciale, puis de la valeur commerciale, et après, de la valeur commerciale. Voilà, donc nous, et ça a débloqué... Au moins, l'ellipse a débloqué ma flotte. Voilà, plus 25, t'as gagné. Moins 50 de pénalité pour intégrer. Et on a gagné un émissaire chacun. Non, le président. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que je vais tout de suite l'envoyer chez l'Empire Nelsonien, et ça devrait le faire. Vas-y. Et comment tu fais pour pas déjà être à 200 sur Orchida? Ah, c'est cool, merci. Et grâce à Féa maintenant, qu'est-ce que tu me proposes? Un fast-food, des emplois administratifs. Administratifs mineurs, sinon des services. Les services, je crache pas dessus, tu peux y aller. Hein. Tu m'étonnes, t'es à 6. Allez, en plus, il est moqueur, quoi. Non, mais... Il est gentil, mais moqueur. Ah, il a raison d'appuyer là où ça fait mal. Bah, elf. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tiens, prends un bonbon chanteau, ça te fera du bien. Ah non, je suis pas d'accord. Ce Xeno m'a piqué mon trou noir. Alors là... C'est la guerre. Alors là, s'il y a bien une chose qu'il fallait pas faire, c'est ça. Aïe. Je peux faire... Cool, on va faire un peu de commerce. Est-ce que je fais une station ici? Oh, qu'est-ce qui est décédé? Oh, encore un émissaire qui est mort. Ah, j'ai une relique. Cool. Avantage passif, morale des armées plus 25, portée des capteurs planétaires plus 2. Bah voilà, comme ça je vois bien. Alors c'est quoi l'entretien de ce truc? On va se faire du pèse. On va se faire du pèse, les amis. Ça c'est bien ça, on va améliorer notre cœur de la conscience. Voilà, j'ai claqué tous mes alliages, ah quel couillon. Faut que j'augmente une planète quelque part. On va comme... Ah, je fais presque plus d'alliages. C'est pas bien ça. Ça se... Allez les petits émissaires, là faut que vous fassiez votre boulot là. Ça monte plus. Les scientifiques, ils font rien. Ouais. C'est pas glandouille, hein. Et sur Nelsonia, ça va. Construction complete. Alors, les sentinelles. Ouais, ça monte de plus 1 par mois, c'est tout. Est-ce qu'on va quand même y arriver? Ah, c'est vrai que je suis en train de chercher un scientifique qui a disparu. Ok. Donc là, on va récupérer le spécialiste. Moins 3 avec archive, on est bon. Allez, on met tout en 9 pour retrouver, ça me coûte la peau des fesses. Et là, il y a une guerre qui va péter. Ah, une guerre. juste avant que tu puisses. Là, c'est fort probable, mais pas avec archive. Tour et c'est pas suffisant, quoi. Tu fais combien? 60. C'est pas assez. Je sais. 60 alliages. Oh là là. C'est violent. Attends, c'est rien du tout, parce que il paye pour chaque colonie, il paye 5 alliages. Genre. Voilà. D'entretien mensuel. Et là, je suis qu'à plus 13 d'argent parce que je suis à 8 bases sur 5. J'attends d'avoir la techno. On va reconnaître ce monde-là quand même. Eh, mais j'ai un site archéologique que j'ai pas exploité. Oh, c'est mal ça. Alors, laser UV ou centrale chimique? Centrale chimique. Situation updated. Alors, où est-ce qu'on va aller? Ouais, on va recruter lui. Ces deux-là, on peut pas les faire. Attendez, hop. Ah merde. Caramba. Il y a des nouveaux scénarios que je connaissais pas, c'est pas mal les sentinelles, hein. J'ai jamais vu ça.
Non, si, c'est... Il y a des choix très coûteux. J'ai perdu 500 d'énergie, 100 d'influence, mais bon, pour l'instant, allez, pas terrible. Pas terrible. Plus, on y va. Nétris. Ok, bon. 100 tropical. Nétris. Allez, on va essayer de tuer cette flotte ennemie. Mmh. Plus 7. Ah, la Ligue Zevanienne veut le statut d'associé. Moi, ça me plairait bien. C'est pas ma priorité. Ouais, vas-y, prends tout ce que tu peux. Ils arrêtent pas de nous demander. Non. Oh, les méchants, ils sont. Au point où on en est, prends salaud. Tout ce que tu ramasses. Salaud. Prends tout, vas-y. Ils sont associés avec tout le monde, ces saletés-là. Ah oui, mais ils sont terribles, hein. Qu'est-ce qu'on a pas encore fait alors? Ah, j'ai qui ça? L'Imperium aussi. Mais oui, l'Imperium, c'est très bien. Non, l'Imperium, ils sont pas gentils. Oh, que plus, ils ont pris le monde relique. Ceci ah oui, il faut vous dire. Pas. Le monde relique, il est là, les amis viewers. Il est là. Kantrin. Et... J'en ai un moi aussi, hein, donc c'est top. Mais pour l'instant, c'est un peu bloquant. Bon. Il reste quelques minutes avant la fin de ce 7e et magnifique épisode. Oui, quelques minutes. C'est dommage, j'aurais bien voulu intégrer... intégrer au moins un des deux qu'on vise à la fédération. Mais les relations ne s'améliorent plus malgré le nombre d'émissaires. Oui, t'es à 200 et t'es bloqué. C'est chiant. On va tout perdre, ils vont tout nous piquer, tu vas voir là, les associés. Non, nous on les aura pas, les Nelsoniens. Nous on est à moins 28, c'est la fin du monde. Et comment se fait-il? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai claqué 2 mises d'émissaires pour les monter, et quand j'ai réussi à choper les trucs, ils sont partis tout de suite en bas. Ils nous aiment pas. Allez, il est temps de faire des spécialistes. Dans 430 jours, j'ai 20 spécialistes qui vont devenir des chercheurs. Wow. Et ça devrait aller mieux. Bon. Ah, mais j'avais encore cette carte-là à jouer, les amis, regardez. Non. Ça a marché. Non. Et on va se prendre des Nelsoniens. Les croiseurs. Ça ne marchera pas. C'est tout que 2 armées, les Nelsoniens? Ça ne se peut. On peut se faire un petit secteur ou pas? 1, 2, 3. Ouais, c'est pas terrible. Allez, une petite dernière pour la route. Ah, mais je peux leur offrir ça. Est-ce que ça va marcher si je leur offre ça? J'en ai 5. Ce gars dans le monde frontalier pour l'instant. Non, je peux pas leur donner ça. On va leur donner un peu de nourriture. Hop. Du coup, ma station, voilà, c'est ce que je voulais. Carte d'équipage, oui. Chantier spatial. Je sais pas quoi faire de tous ces gens, moi. Ça a fonctionné. Moins 5. Ok. Par contre, j'ai dépassé ma capacité navale, non. Il me faut mais tellement des esclaves, c'est pas possible. On est où au niveau du marché? C'est pour ça que je paye si cher, mais ça va, les affaires. Marché? Eh bien, dans 438 jours, il sera adopté. T'as 1K de puissance politique. T'es énorme. Moi, ouais, j'ai un moins 20% sur mon économie. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur, notre vie. Moi, j'essaie d'être assez puissant pour qu'à moi seul, je suis capable de faire la game. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est un concept qui est tout à fait satisfaisant. À côté, on est des crottes, hein. Kin, tu as 423 de poids clim... D'accord. Oui, en même temps, c'est une conscience collective. 480... Hein. Il a un vote, le mec. c'est ça. C'est lié au nombre de population, de toute façon. C'est ça. Franchement, moi, je veux cette loi Xeno où les consciences collectives ne coûtent que pour un. Ah, c'est un vote. Ce serait tellement beau. Ça, alors... C'est la démocratie. Une conscience, un vote. Bah du coup le marché ça passe. Ça passe largement. Le nombre de d'émissaires que t'envoies sur la communauté galactique. Plus t'en envoies, plus t'augmente ton pouvoir. Ouais bon, il bourrine. Non, on bourrine pas du tout. Non mais sérieusement c'est la fin. Moi j'en ai suis 1-15, j'en ai 0. Vous avez remarqué, c'est la pause, je suis désolé, c'est déjà la fin. Non, s'il te plaît, encore c'est une minute TK. Une TK. Allez, une TK minute. De toute façon, on a dit qu'on faisait une nocturne. Bisous à Madame Keane.
Heureusement qu'elle regarde pas mes vidéos. Non, mais c'est ce que je vous dis à chaque fois, la mienne aussi, oui. Tout cet amour, cette débauche d'amour. Écoute, si ça marche bien notre entente collatérale, un jour il faudra qu'on fasse un jeu autre pour se marier à 4, quoi. Un truc terrible. Ah, j'y crois pas. On est déjà 4 au cas où ça t'intéresse. Aïe aïe aïe. Mais peut-être que tu suggérais qu'on se marre pas trop. Si. Ah, tu sais, chez moi j'ai une tech girl qui devient une vraie geek, hein, avec le confinement, là, c'est terrible. Ah bah oui. Sa mère a tilté parce qu'à 1h du matin elle était encore dessus, mais elle n'a pas calculé qu'elle était depuis 8h du matin la veille. Ah. Ah, okay. Je l'embrasse de loin, j'ai dit t'as fait télévision, j'ai dit oui, j'ai regardé Pronote, au revoir. Voilà, c'est ça le confinement. Merci Blanquet. Allez, on fait avec ce qu'on aussi, a. Aussi, ma femme est prof. Ouais, mais je suis pas pour stresser les gosses, ils vivent un moment historique où on a une année blanche, on est bien. Bon, elle est stressée, non, mais bon. Ça va, ça arrive tous les 100 ans, c'est pas... Ça arrive jamais, ça. Avant, on s'en foutait, on mourait. Hein. D'ailleurs, si vous regardez sur les archives de l'INA, je vais remonter le moral à faire, parce que je le connais un peu. En 57, il y a eu une grippe chinoise, ils l'ont pas dit, on l'a su l'année d'après sur Taïwan pour un vaccin, je crois que c'était Taïwan. Et ça arrive en France l'année d'après, mais pff, tant que les profs étaient pas malades, il y avait cours. 100 000 morts en France. Ouais. Mais ça a pas fait de bruit, hein. Tranquille. Hein. C'était quand, ça? 57. C'est arrivé en 58, je crois. Tu tapes la grippe chinoise, je crois, un truc comme ça, en 57. Soit en fait, c'est toujours les Chinois qui font morts. La... Oui, c'est toujours les Chinois qui déclenchent la peste, la grippe, le... Ouais, ouais. Bah non, la grippe espagnole, c'est chinois. Non, la grippe espagnole, je sais ce que vous dites. Oui, c'est... affreux, quoi. Frais du marché, moins 10, protection... Et le pire, c'est qu'il la gère nettement mieux que nous. Alors ça, les chiffres, après, hein, tu sais... Les chiffres, oui. Faut s'enfuir. Il y a beaucoup de trucs aussi, il faut voir les résistances, les chiffres, plein de trucs. Bon, faut voir la, il faut analyser après la crise, pour en plein milieu, ça. Si un jour, t'as les bons chiffres. Vitesse de recherche. Ouais, ça sort. Voilà, les 12 emplois qui vont me manquer, ils vont être... Il suffit de compter les charniers et... Ah. Youpi, ta minute elle s'est écoulée là, non? Attends, je veux juste regarder. Non, si, on verra au prochain épisode, t'inquiète pas. T'inquiète si pas. Archive est bien dans la... Il va pas y arriver, c'est pathétique. Ah ouais, non, ils sont en acceptation zéro, quoi. Oui, c'est ça, je suis bloqué pareil. Je suis à deux doigts, mais... Non, non, ça sert à rien, en fait. En fait, il faut on plus On va pas se cacher. Bon, bah écoute... Non mais ça c'est sur Europa Universalis Disc 4, c'est pareil, il faut plus un à chaque fois. Voilà, bon bah écoutez, c'est donc vraiment la fin du 7ème épisode. Oh, ce conclave est magnifiquement gros. Bref. Alors, juste pour la fin, il y a les triades qui viennent de revendiquer un de mes systèmes. Oh c'est bon ça. Mais ça c'est la suite au prochain épisode. Épisode, et vous le saurez. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut à tous.